Okay, hello. I think we are ready to get started. I'm going to start the video here. Hello, everyone. I hope everyone can see me and hear me all right. Please, if you have any trouble with technical issues during the presentation or at the beginning, at the end, at any point in the presentation, please feel free to message me directly through the chat function. Hello and welcome to everybody. Welcome to our first webinar of the fall season, exporting to Mexico. Bienvenue à toutes et à tous. My name is Gabrielle Echeverry. I am the communications manager at Livre Canada Books. And my role here today is simply to help facilitate the webinar and help out a little bit with the Q&A function at the end of the presentation. So today, our presentation will be primarily in French and should take about 60 minutes with some time set aside at the end of the session for questions and answers. For the first time, I think in Livre Canada Books history, we are using simultaneous interpretation for a webinar. For those of you who may not be familiar with using interpretation services, the way to access the service, if you need it and would like it, is to check in your meeting controls. And there should be a globe icon, which would be the interpretation icon. And that would be where you select the language of your choice. In this case, it will be in English only. So that should be the channel that that you select. So please let us know how it goes with the interpretation. You are all our guinea pigs with this this time around, but it's something that we're hoping that we'll be able to use into the future. When it comes to the questions, we'll be taking the questions via the Q&A function or the chat function in Zoom, written questions in either language. So please feel free to write them in English or French, and you can send questions during the webinar itself or save them for the end, whatever you are more comfortable with. Alors, bonjour à tous. La présentation d'aujourd'hui sera en français et devrait durer environ 60 minutes. Et nous avons prévu du temps à la fin pour répondre à vos questions. And again, if you encounter any problems or have questions relating to the platform, please message me as the host. Today's session on Mexico is the first in a series of activities and research projects that Livre Canada Books has planned over the next 2 years, focusing on Latin American export markets. And as an established strategic trade partner, Mexico in particular has become an ever important market for Canadian businesses, including, of course, publishers looking for opportunities to export books abroad. A dynamic publishing industry in its own right, Mexico is also a bridge to other Spanish language markets across the Americas and has become a dominant force in Spanish language publishing across the globe, which is, Spanish language publishing is growing both in what were primarily English speaking markets as well at the moment. So it's quite an exciting time, I think, for accessing these markets. Given the growth at the moment, we're very excited to learn more about Mexico, and I'm delighted to introduce our speaker, Piedad Sáenz. Many of you may already know her as the founder of the literary agency Lady Books. Piedad has built on more than 15 years of publishing experience in South and North America after having worked for various Canadian publishing companies and at the Fondo de Cultura Económica, one of the largest publishers in the Spanish language market with branches in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Spain, Guatemala, Peru, and Venezuela. Piedad has vast and diverse experience in marketing, business development, contract negotiation, and rights, as well as a strong understanding of the challenges of digital publishing. Having developed excellent publishing contacts in both South and North America, and having traveled extensively between the two regions, has given her an authentic view of the different cultural particularities of the Americas. So without further ado, welcome, Piedad, and thank you for joining us today. I'll turn the mic over to you. Thank you, Gabrielle, for your introduction. And
Hello everyone, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va présenter un peu un aperçu du marché du livre au Mexique et on va voir certaines statistiques et voilà. Et on va voir certaines statistiques par rapport aux ventes. Ce qui a passé pendant la dernière année, les circuits de vente au Mexique, un peu les habitudes de lecture, et on va parler aussi des principaux acteurs du milieu du livre. Et à la fin, on va avoir quelques exemples aussi des auteurs qui ont été déjà traduits entre les deux pays. Alors, les marchés mexicains du livre, comme la plupart d'entre nous dans les milieux, on fait face à de nombreux défis. Le nombre de livres qui ont été imprimés au Mexique a diminué pendant la plupart de cette décennie. Et malgré ça, on voit qu'il y a aussi une augmentation dans les revenus des ventes de livres. Et c'est une tendance à l'autre hausse qu'on va voir tantôt dans les chiffres. Le secteur du livre aussi a été fortement affecté par la pandémie et ça a beaucoup eu d'effets. On va voir, mais négativement, mais aussi il y a quelques effets qui sont quand même positifs, si on peut dire, parce que ça poussait un petit peu les ventes de livres et la vente de livres électroniques. Pour les 2000 ventes, Nielsen a estimé que les ventes de livres de grand public ont diminué au Mexique de 25%, 25% par rapport à les nombres d'exemplaires vendus et 23% pour ce qui est de la valeur des ventes. Et ça, évidemment, en raison de la pandémie. En 2019, le CERLALC, qui c'est le Centre pour le développement du livre dans l'Amérique latine et les Caraïbes, a émis 26 635 nouveaux ISBN, mais ça représente une baisse de 7,1% par rapport à 2018. Et l'autre information importante aussi à retenir, c'est que l'UNESCO a nommé Guadalajara comme la capitale mondiale du livre pour l'année 2022. Et c'est là où, justement, on a la foire la plus importante du marché en espagnol, la foire de Guadalajara. Et ça va se passer, mais il y a plein d'activités qui, comme d'habitude, la ville qui s'est nommée aura pendant toute l'année. Évidemment, il y a beaucoup qui va se passer à la foire du livre à Guadalajara l'année prochaine. Pour vous mettre un peu en contexte aussi par rapport à la population, Mexique a en ce moment à peu près 126 millions d'habitants, des personnes, et ça le situe comme numéro 10 dans les pays les plus peuplés du monde. Environ 79% de la population au Mexique vit en zone urbaine, et ça signifie que seulement 21% habitent dans les zones rurales. Et la majorité de la population se trouve au centre du pays, qui est ça qui comprend l'État du Mexique, l'État de Jalisco et l'État de Veracruz. Et environ un quart des habitants vivent dans la ville de Mexico et les environs. Et Mexico, comme beaucoup de pays en Amérique latine, il y a des taux de migration très importants. Et dans le cas de Mexique, Canada, c'est le troisième pays où émigrent le plus les Mexicains, après les États-Unis et l'Espagne.
Par rapport à l'alphabétisation au Mexique, pour faire les statistiques, on compte les personnes âgées de 15 ans et plus qui sont capables de lire et écrire. Et en ce moment, le chiffre, c'est presque 95% de la population qui sont capables de lire et d'écrire. Et il faut aussi tenir en compte que plus de 70% de la population au Mexique est âgée de plus de 15 ans. Et l'éducation, de façon comme obligatoire, va de la première année jusqu'à la neuvième année. C'est un peu plus long pour la primaire. Et après ça, il y a un enseignement secondaire qui est facultatif jusqu'à la douzième année. Avec ça, on complète le cycle primaire-secondaire. L'alphabétisation, évidemment, c'est considéré l'éducation de base. La répartition démographique, on voit que les groupes, justement, entre 15 et 24 ans, ça représente quand même 17,35 de la population. Et l'autre tranche aussi, où on dit qu'elles sont comme actives, économiques, non actives, c'est la tranche suivante, des 25 à 54 ans. Et ça représente presque 41% de la population. Alors, c'est vraiment une population très jeune. On voit aussi qu'en ce moment, de 0 à 14 ans, on a presque 27% de la population. Et ça veut dire qu'en général, la population, c'est jeune. Ici, je vais vous présenter les statistiques et qui vont couvrir surtout de l'année 2015 à 2019 et les données que j'ai prises pour faire cette présentation considèrent exclusivement les secteurs privés jusqu'à 2019. Les secteurs privés, et ça veut dire que c'est plus à peu près 230 éditeurs qui sont regroupés par la Chambre mexicaine du livre qui s'appelle CANIEM. Et il faut faire cette différenciation surtout parce qu'au Mexique, je vais le dire tout de suite, il y a justement les Fondos de Cultura Económica, et c'est un organisme de l'État qui fait comme pas mal tout la chaîne du livre, dans le sens qu'ils sont éditeurs de livres. Ils ont aussi des librairies par tous les pays. Ils sont quand même distributeurs des autres maisons d'édition, de toute la langue espagnole en général. Et ici, son catalogue, c'est aussi très important par rapport à la production, à la quantité de titres et aussi la diversité et la qualité de son catalogue. Alors, dans ces chiffres, il y a une autre notation aussi importante que je ne vais pas oublier, c'est vous dire que depuis que le président actuel est au pouvoir, c'est López Obrador, et lui, il avait un autre organisme de l'État qui s'occupait de toutes les publications destinées aux écoles. Et vraiment, justement, comme. Qui produisait tous les manuels scolaires pour les primaires, pour les secondaires. Et il a fait il a justement mis les compagnies, Fondo de Cultura Económica plus l'autre. Alors, c'est eux qui gèrent maintenant toute la production de livres aussi destinés aux écoles. Alors, pour ces chiffres, on va commencer pour regardez un peu comment ça a été la production totale en nombre d'exemplaires durant les 5 dernières années, de 2015 à 2019. Alors, vous voyez, c'est présenté les nouveautés et les réimpressions. Et on voit qu'en 2019, la baisse a été de 17,7%, dont 31% pour les nouveaux titres et 11% pour les réimpressions.
Et ici aussi, je vais faire une explication de ça. Comme vous voyez, il y a quand même une production très importante, un nombre d'exemplaires en réimpression. Et ça s'explique parce que ça explique pourquoi les premiers tirages de l'ouvrage au Mexique se situent environ en moyenne de 2 000 à 3 000 exemplaires. Alors, c'est toujours, ils vont faire comme d'habitude ça, commencer avec un tirage modeste et travailler en réimpression après. Ça dépend évidemment de tous les comportements de certains titres et aussi évidemment si ça dépend beaucoup de la notoriété des auteurs. Mais si on veut parler encore une fois de moyenne, les tirages, c'est à partir de 2 000 à 3 000 exemplaires par titre. Et ça, c'est un peu vraiment pareil entre la littérature pour adultes et la jeunesse. Les volumes de vente exemplaires. Comme vous voyez, on disait au début, ça vient vraiment dans son tendance à la décroissance depuis 2015 et c'est encore plus marqué de 2018 à 2019. La quantité en 2019 a diminué de 16 millions d'exemplaires en moins. Ça veut dire 11,8%. Et ça, ça traduit en baisse de 8,5% pour les nouveaux titres et 13% pour les réimpressions. Alors, comme on voit, c'est vraiment, on voit directement l'impact que ça a eu l'année 2019 par rapport au volume des ventes. Alors, en 2019, les volumes des ventes a diminué de 7,6% et c'est comme on a observé la tendance depuis 2015. Et cette baisse a modifié aussi un peu d'autres points, la composition des ventes locales versus les importations. À la fin, on voit que la différence est quand même importante entre la production locale versus les importations. Et ça situe finalement cette composition des 95% des productions locales contre 5% pour les importations. Alors, par rapport aux ventes, en 2019, les ventes ont atteint 714,4 millions de dollars. Et ça représente une augmentation de 6%. Alors, quand on regarde ça, vous voyez, peut-être la quantité a diminué, mais quand même, il y a une petite tendance, surtout depuis 2017, à l'autre, un revenu généré pour les ventes de livres. Et cette augmentation est due principalement aux éditions locales. On voit que les éditions locales ont eu une croissance de 8,5%. En revanche, les ventes d'éditions importées ont diminué de 14%. Et ça aussi, encore une fois, ça explique toutes les conditions qu'on a eues pendant la pandémie qui a fortement impacté les importations l'année passée. Pas l'année passée, en 2019. OK. Ici, on va voir un peu les ventes, cette vente, comment on peut les voir par catégorie. Et encore une fois, on voit comment la production destinée vraiment pour les écoles et qui sont comme des ventes faites directement au gouvernement a une importance vraiment dans les ventes totales. Surtout si on regarde les ventes en millions de dollars canadiens, on voit que ça représente 29,4% des ventes. Alors après, en deuxième place, on a la littérature jeunesse, les livres destinés aux enfants puis aux jeunes adultes. C'est quand même une représentation de 16,5 en nombre d'exemplaires et 11,10
par rapport aux revenus. Et en troisième place, on va trouver la catégorie apprentissage. Et ça inclut tous les programmes du gouvernement justement pour l'apprentissage de l'anglais comme langue seconde. Et après ça, vous voyez, il y a l'anglais comme langue seconde aussi au marché libre. Alors, ça a quand même une importance dans les marchés du Mexique et c'est là où on voit vraiment comme des opportunités de développer des affaires avec le Mexique parce qu'il y a un intérêt pour l'apprentissage de l'anglais. Et il y a quand même, évidemment, dans un peu moins marqué que l'anglais, mais aussi pour les Français. Il y a, comme dans la plupart des pays de l'Amérique latine, il y a aussi encore présent des écoles françaises. Alors, on voit qu'en général, l'apprentissage des langues, c'est de l'intérêt au Mexique. Après, on va trouver les livres religieux quand même, qui se situent même avant la littérature et la fiction. Et il y a après, encore une fois, langue autre que l'anglais, la croissance personnelle, les livres sur l'économie, les finances, les commerces et la gestion en général. Après, les sciences sociales. Après, on trouve les modes de vie. Et au dernier rang, on trouve les biographies et histoires. Alors, on va continuer et voir comment ça se divise selon la catégorie. Alors, les ventes aux écoles sont les plus importantes. Ça représente 39% de les ventes totaux en quantité et valeur des ventes. Et après, comme on a mentionné tantôt, c'est la littérature jeunesse, quand même, une contribution de 16% en quantité de titres et 11% en valeur. Et la troisième place, tous les programmes d'enseignement de l'anglais, langue seconde, représentent 9,9% des quantités vendues et 14% de la valeur. Alors, il y a quand même, comme vous voyez, des opportunités intéressantes, surtout ces deux dernières rangs, la littérature jeunesse et les programmes pour l'apprentissage des langues. Mais il faut aussi dire ici, justement, les ventes publiques, les ventes qu'on fait pour les écoles primaires. À chaque année, le gouvernement fait une sélection de titres sans importer l'origine. C'est juste des livres qui peuvent enrichir les bibliothèques publiques, les bibliothèques des écoles aussi, et des livres qui sont produits par tous les éditeurs, en fait, même pas juste mexicains, mais des livres en espagnol que sont de l'intérêt du gouvernement, soit par rapport à la thématique, soit et surtout pour les groupes d'âge, parce que ça va vraiment couvrir la demande des écoles. Là, encore une fois, c'est vraiment très intéressant parce que on a vu, j'ai déjà eu des cas où certains titres, et bien qu'ils ont vendu des droits au Mexique, ont été choisis pour les gouvernements et ça représente vraiment des ventes intéressantes. Et comme ça marche un peu partout, là, ça se peut que justement les gouvernements vont passer une commande de certains titres. Et là, c'est la quantité qui va compter. Ça peut facilement dire on va imprimer 10 000 livres ou 100 000 titres. Et ça arrive tant pour, comme je vous dis, littérature jeunesse, comme fiction en général, littérature, et même aussi pour les livres que scientifiques qui peuvent intéresser. Alors, maintenant, on va parler un peu sur les circuits de vente. Et ici, encore une fois, il y a des statistiques qui ont changé dans les dernières années. Et en 2019, justement, les librairies ont occupé la première place. Et ça fait depuis nombreuses années que,
que les librairies n'occupaient pas cette place. La place était avant pour justement les ventes au gouvernement. Mais on a vu qu'en 2019, les librairies ont eu une augmentation de 19% en nombre d'exemplaires vendus. Et ça représente 31% des ventes totales. Et c'est un phénomène quand même intéressant. Comme je vous dis, ce n'est vraiment pas le cas. Quand on parle des librairies, on voit qu'on peut aussi, c'est pareil partout l'Amérique latine, il y a une certaine pénurie de librairies par rapport à la population. Alors, ça, c'est vraiment une chose qui a changé. Puis, qui, ça doit certainement fait plaisir aussi au milieu en général, voir que ça se passe à travers les librairies. Et après, on a évidemment les ventes gouvernementales en deuxième position, malgré qu'ils ont cédé un peu de terrain aux librairies. Puis ça explique pourquoi, même en deuxième rang, mais il a quand même eu une baisse de 24%. Et l'autre information qui aussi a attiré l'attention, c'était que les ventes par Internet ont connu la plus forte augmentation, soit 153%. Et c'est comme je vous dis, une augmentation vraiment très importante, mais ça continue à être toujours les circuits dont la participation aux ventes totales est la plus faible. On va voir plus tard, comment ça a changé un peu la donnée pour la division des ventes de livres imprimés versus les livres électroniques. Mais voilà, ici, je vous présente un peu les chiffres de ce circuit des ventes et on voit quand même l'augmentation qu'a vu les librairies. Et après ça, les ventes du gouvernement, puis après ça, on a aussi, encore une fois, les écoles. L'autre, les suivants, c'est aussi les grandes surfaces, ce qui se passe vraiment à la quatrième place, puis on voit après les exportations. Après ça, on va trouver les petits magasins aussi, et ventes institutionnelles, ça veut dire, dans ces cas ici, vente directe aux entreprises. Vraiment, ça pourrait être des entreprises d'éducation, des entreprises privées. Puis, quand même, ça fait un peu plus que les foires de livres. Et après, on a justement les foires et Internet. Alors, pour ce qui est les circuits de vente, et encore une fois, on l'a vu, les librairies représentent environ un tiers des ventes et des recettes des livres en 2019. Et quand même, les écoles, et primaires et secondaires, ainsi que les universités, ont rapporté aussi 30% de plus. Et ça indique évidemment que les établissements d'enseignement, les secteurs de l'édition publique, compte parmi les principaux moteurs de la lecture au Mexique. Et ici, je vous présente un peu, je profite pour vous présenter un peu les chaînes des librairies les plus importantes. Alors, on voit ici dans les premières photos, c'est la librairie Rosario Castellanos, qui c'est une librairie située à Mexico. Et ça pour vous dire que Fondo de Cultura Económica aussi, il y a en total 116 librairies partout le pays, 37 au Mexico et 12 à l'international. Après ça, vous allez reconnaître, si vous avez déjà été au Mexique, la chaîne Sanborns, que c'est un peu un peu similaire aux librairies Indigo ou Renouvelé ici, où il y a la vente des livres, mais qu'on trouve quand même d'autres produits que les livres. Des cadeaux est vraiment très similaire à ce qu'on trouve dans Indigo ou Renouvelé. Alors, Sanborns, il y a
190 magasins dans tous les pays. Et c'est quand même très important par rapport aux ventes. Et après ça, on a une chaîne indépendante de livres, des librairies, ils s'appellent Gandhi, les librairies Gandhi. Ils sont quand même 37 librairies partout au pays. Et ils ont des petits points de vente, on peut parler comme on trouve à l'aéroport, si vous avez remarqué. Et il y a comme 270 petits points de vente dans tous les Walmart au Mexique. Et il y a une autre chaîne aussi qui est quand même importante, c'est Librerías El Sótano. Je ne vous montre pas en photo, mais c'est quand même une autre chaîne très importante de librairie. Alors, ce qu'on a vu tantôt, des effets un peu positifs de la pandémie, c'est vraiment l'augmentation des ventes de livres numériques. Et ils ont comme toujours eu cette tendance à l'hausse, mais en 2019, la proportion a été de 19%. Et les montants, c'est à peu près 14,75 millions de dollars canadiens. Et on a vu aussi que finalement, les éditeurs se sont intéressés à adapter les ouvrages en catalogue digital. Alors, ils ont vraiment étoffé ces catalogues numériques et en faisant la conversion du titre à format numérique. Et ils ont passé des 55% de leur catalogue en 2015 à presque 80% en 2019, 79% en 2019. Alors, on voit que quand même, ça fait un peu de pression pour les éditeurs, puis ils sont mis à travailler beaucoup plus les catalogues numériques. Alors, encore une fois ici, si on voit un peu les ventes des livres numériques, ça continue toujours sa tendance à l'hausse. Puis, on a aussi, on compare ici dans les graphiques les nouveautés et les titres du catalogue, qu'on appelle en anglais les backlist. Quand même, les deux sont en croissance. Et, sauf en 2019, justement, où il y a un petit peu de recul par rapport à 2018 pour les nouveautés. Alors, si on regarde les ventes totales des livres imprimés et livres numériques, en 2019, les ventes ont atteint la somme de 729,3 millions de dollars. Et ça représente aussi une augmentation de 6,4 par rapport à 2018. Alors, la croissance annuelle des les 5 dernières années a été de 2,5. Et comme je vous disais tantôt, même si on a eu cet effet positif, les ventes ont augmenté, on voit que les ventes de livres numériques ne représentent que les 2% des ventes totales. Alors, dans cette graphique qu'on regarde présentement, et on voit les ventes totales du livre imprimé et numérique. Alors, on voit que depuis 2017, on voit vraiment une tendance à l'hausse dans les deux catégories, les livres imprimés versus les livres électroniques. Mais vous voyez quand même comment en 2019, ça a à peine été des 2% des ventes totales. Alors, c'est ça. On a vu qu'il y a une évolution du numérique quand même au Mexique, mais les livres imprimés demeurent les formats des livres préférés des lecteurs mexicains. Et les revenus de la vente de livres aussi au Mexique, on atteint 14,8 millions de dollars canadiens en 2019. Et quand même, ça veut dire que ça laisse le Mexique comme
le grand marché des livres numériques en langue espagnole en Amérique latine. Et on voit que dans les autres pays d'Amérique latine, même pas 2% des ventes de livres électroniques dans les ventes totales. Alors quand même, c'est au Mexique où il y a une augmentation plus marquée. Et ici, l'intéressant qu'on trouve aussi de cette lenteur et l'adoption des livres numériques, c'est les pouvoirs d'achat, évidemment, et les faibles accès à Internet dans de nombreuses régions du pays. Cependant, ici aussi, encore une parenthèse pour dire que ça a augmenté quand même pendant 2019 à cause de la pandémie. Et on a vu que tant les ressources pour Internet comme les téléphones intelligents et tout ça, on a augmenté vraiment beaucoup parce qu'à un moment donné, comme ça a passé un peu partout, c'était la seule façon de rester en contact avec l'école. Et c'est là, dans ces secteurs, justement, jeunesse et jeunes adultes, où ça a vraiment augmenté beaucoup. Et entre les sources comme d'accès à l'information, puis des passe-temps en ligne. Et les livres aussi ont augmenté par rapport, mettons, à des jeux ou des réseaux sociaux aussi, que ça continue à être comme les leaders, comme la raison pour laquelle les jeunes utilisent Internet. Et on a vu une augmentation dans ce segment-là pour les livres. Et mais c'est ça, justement, et l'offre numérique a vraiment eu plus de popularité et ça a aussi aidé un peu, sécurisé un peu les éditeurs du livre au Mexique. Et aussi, il y a eu les gouvernements qui s'intéressaient à vraiment donner un support aux compagnies pour aux éditeurs, en fait, pour faire ces transformations au numérique. Et justement pour mettre à disposition plus d'ouvrages de son catalogue en format numérique. On peut, si on parle des exportations du livre du Mexique, c'est à peu près en chiffre 8,1 millions de dollars canadiens en 2018. Et il y a quand même deux pays de l'Amérique latine qui sont les principaux. Comme figure comme les principaux importateurs d'ouvrages, et l'Équateur et la Colombie. Mais évidemment, c'est une petite partie si on compare où il y a vraiment les premiers lieux qui sont occupés par les États-Unis. Alors, on voit que les voisins du nord du Mexique ont également aussi fait la plus grande importation de livres. Alors, on voit ici que vraiment les commerces internationaux se passent vraiment bien pour le secteur du livre entre les deux pays, entre le Mexique et les États-Unis. Alors, ça donne aussi des pistes pour nous au Canada pour vraiment essayer d'aller faire plus des affaires avec le Mexique. Parce que ça se passe dans les deux sens, en fait. Et alors, on voit par rapport aux chiffres aussi, en 2018, 126 millions de dollars américains de livres imprimés ont été exportés du Mexique contre 94,3 millions l'année précédente. Et puis ça, c'est une estimation que j'ai pas fait la conversion à dollars canadiens, mais c'est en pesos mexicains, ça veut dire que ça représente plus de 10,6 millions de pesos mexicains en 2018. Et justement, comme je vous dis, je trouve qu'il y a des opportunités importantes aussi en ce moment. Et il y a comme cette volonté aussi du gouvernement de supporter les commerces entre les éditeurs et qui s'intéressent surtout à la traduction des livres du Mexique. Il y a un programme qui s'appelle
PROTAT. C'est un programme géré par le ministère de la Culture du Mexique. Et justement, ils vont offrir une aide à la traduction pour les éditeurs étrangers, qui peut varier de 19 000 dollars canadiens à 63 500. Comme vous voyez, c'est quand même des chiffres importants quand on pense à l'achat des livres aussi. Et comme je vous le disais tantôt, quand ça se passe dans les deux sens, ça favorise beaucoup et voir qu'on achète aussi d'ouvrages et qu'on est intéressé à participer dans ce programme pour justement traduire des livres du Mexique, mais aussi, je trouve que c'est toujours comme une porte ouverte aussi à l'achat des parts des Mexicains pour nos ouvrages. Alors, ce programme, comme je vous dis, c'est géré par le ministère de la Culture. Vous savez aussi, on va de la page, les sites du gouvernement où on peut aller lire un peu les instructions de comment faire tous les processus d'application. Et je vous ai mis ici, comme pour vous donner une idée, les trois catégories où on peut demander l'aide à la traduction. Alors, il y a la première catégorie qui va jusqu'à 10 000 dollars, qui sont offerts pour la traduction et publication des livres spécialisés dans les domaines des sciences humaines, littérature et la littérature jeunesse. Et ici, ils vont prendre les périodes de réalisation, c'est maximum de 12 mois. Et après, la deuxième catégorie, c'est jusqu'à 44 500. Et ça c'est accordé au projet des livres d'art dont la période de réalisation se complète aussi dans 12 mois. Alors, ça c'est aussi une information très importante aussi pour les livres d'art. Et la troisième catégorie, que c'est des 44 500 et plus jusqu'à 63 500, c'est quand on va faire la publication de au moins du livre spécialisé dans les disciplines qu'on a nommées, soit les arts, les sciences humaines, la littérature générale, la littérature jeunesse, et ça pour une période de réalisation de 24 mois. Alors, vous avez cette information qui peut être aussi intéressante. Et je voulais aussi vous partager un peu des habitudes de lecture et les tendances de lecture du Mexique. Comme je vous dis, le Mexique, c'est le pays qui a la plus grande population hispanophone et le taux d'alphabétisation est supérieur à ceux de nombreux autres pays d'Amérique latine. Il n'y a pas, malheureusement, un grand nombre de lecteurs actifs. Alors, encore une fois, ça, c'est vraiment la lutte du Mexique et d'autres pays pareils en Amérique latine, parce que justement, quand on voit les statistiques, c'est vraiment, les taux, c'est très, très, très bas, et encore une fois, par rapport à la population. Et c'est vraiment très bas. Alors, selon un récent sondage, les habitudes de lecture au Mexique, on a qu'environ 50% des adultes ont lu 3 livres au moins par année en 2019. Et 18% n'ont pas du tout lu aucun livre. Alors, et les raisons qu'on trouve dans les sondages, c'est vraiment comme la manque de temps et la manque d'intérêt, tout simplement, comme les raisons les plus importantes pour ne pas lire. Et l'autre chose aussi, comme je vous dis, quand on regarde les nombres de librairies per capita par rapport à la population, c'est vraiment très bas. On voit qu'il n'y a pas vraiment un accès pour tout le monde pareil. Il y a une très grande concentration dans les 3 États que j'ai nommés au début, Veracruz, Jalisco et l'État de Mexico aussi. Alors, ça explique un peu pourquoi. Et puis c'est pour cette raison aussi que les gouvernements, à travers les réseaux des bibliothèques, les réseaux des écoles, jouent un rôle très important aussi, un rôle très important pour la promotion de lecture et pour l'accès aux livres. Et
Évidemment, entre les, si on regarde les chiffres de 2015 par rapport à 2020, la proportion de lecteurs de livres au sein de la population adulte est passée de 50% à 40%. Alors, c'est vraiment un défi majeur pour les petites librairies et le secteur de l'édition en général. Et ici, on voit que les formats des livres imprimés, c'est toujours les formats favoris des lecteurs mexicains. On voit que c'est vraiment, ça représente 83% de cette total. Alors, il y a 12% qui lit en format numérique et seulement 5% qui lit dans les deux formats. Alors, en 2020, on voit qu'il y a quand même eu une augmentation légère de 12,3% par rapport à 2019, où était juste 12%. Mais si on regarde un peu plus loin, puis on voit à 2016, c'est quand même important, c'est à peu près 5 points, parce qu'en 2016, on parlait de juste 7,3%. Des personnes qui lisent en format numérique. Alors, c'est là, ça s'est fait très, très doucement, mais quand même, ça augmente. Ça augmente et ça, c'est important aussi. Alors, je vous présente aussi un peu les foires du livre plus importantes, comme ça, vous avez vu aussi dans les foires et dans les différents endroits de vente. Et on a aussi une participation importante des foires. Alors, évidemment, c'est à Guadalajara où c'est les plus importantes foires. On voit que, en fait, c'est une foire qui est en format hybride. Il y a des journées qui, à peu près, c'est toujours les premières journées, 4 à 5 journées dédiées aux professionnels du livre, où c'est ouverte justement pour le développement des affaires. Et après, hybride, parce que c'est aussi une foire ouverte au public. Et c'est pour ça qu'ici, on parle des nombres de visiteurs de plus de 1 million par année. Et ça, se situe la foire comme la plus importante vraiment des langues espagnoles. Plus d'affluence, plus de monde, même dans les foires qui se passent aussi en Espagne, et puis dans les autres pays aussi de l'Amérique latine. On voit aussi que la foire de Guadalajara se situe comme la deuxième foire la plus importante après Francfort. Et après, j'ai une petite liste des foires qui ont un caractère aussi international. C'est pour ça que je vous parle aussi de cette foire, parce que quand même, il y a toujours parfois des pays invités à cette foire-là ou des villes invitées à cette foire. Par exemple, la foire de Monterrey. Il y a une foire aussi de livres universitaires pour ceux qui publient aussi des livres pour ces secteurs. Il y a une foire spécialisée pour ça. Il y a une autre foire qui se passe au Palacio de Minería, qu'il y a toujours des auteurs, des invités étrangers. Et il y a aussi en Mexico la foire internationale du livre jeunesse et jeune adulte, évidemment. Alors ça, c'est... ça, je trouve que même si de plus en plus, il y a vraiment comme une importance dans les milieux de livre jeunesse, ça se passe un peu avant Guadalajara, alors c'est parfois un peu difficile de se déplacer à deux foires en même temps. Puis évidemment, si on doit choisir, Guadalajara reste la plus importante, mais quand même, c'est une foire où il y a toujours des invités étrangers dans des maisons d'édition, comme des auteurs et des pays parfois. Après, il y a la foire aussi de Oaxaca, et une autre qui se passe au Zócalo, au Mexico. Et ça aussi, je vous donne cette information parce que c'est maintenant, quand vous faites la négociation des droits, vous pouvez aussi demander à l'éditeur, est-ce que vous participez à votre foire locale, comme la foire de Minería ou la foire de Oaxaca, qui sont quand même importantes.
Hein. Ça vous donne une idée aussi de ces démarches que font les éditeurs comme potentiels acheteurs des droits par rapport aux ventes. Alors, ici, je vous partage aussi les informations sur la foire de Guadalajara, qu'on connaît bien comme la FIL. En 2019, les centres de droit, la foire a eu une participation de 131 entreprises qui provenaient de 27 pays différents. Et ils ont aussi un programme de fellowship, on peut. C'est un programme pour favoriser justement la vente et l'achat des droits. Et mais c'est destiné justement aux éditeurs qui ont l'habitude d'acheter des droits et qui ont un intérêt pour l'acquisition des droits d'auteur d'Amérique latine. En 2019, ils ont eu dans ces programmes à peu près 54 éditeurs qui venaient des 38 pays différents. Et la seule particularité de ces programmes, c'est ça fonctionne justement par justement uniquement sur invitation. Alors, si jamais vous êtes un éditeur qui vraiment il y a un intérêt, vous pouvez trouver dans les sites de la foire FIL Guadalajara que il y a tous les sites en anglais. Et vous pouvez écrire au coordinateur international, c'est Monsieur Rubén Padilla, c'est lui qui s'en occupe. Vous pouvez faire votre demande après lui, puis lui dire que vous voulez présenter votre candidature pour ce programme. Et les programmes, généralement, ça dépend de la catégorie aussi, il y a comme deux catégories, mais... En fait, c'est que vous avez les droits, ils vont couvrir les frais d'inscription et ils vont vous donner aussi la place dans les centres de droits pour avoir votre rendez-vous. Et ça vous donne aussi 3 nuits d'hôtel. Les 3 nuits, 3, 4 nuits d'hôtel. Alors, ça vaut la peine quand même de faire la démarche d'après Rubén Padilla de la Foire de Guadalajara. Voilà, je vais ici, pour finaliser un peu la présentation, je vais vous dire un peu combien d'éditeurs on voit au Mexique. Il y a à peu près 416 éditeurs dans l'ensemble du pays et quand même, on a 301 qui sont situés à la ville de Mexico. Il y a d'autres 21 qui sont situés en l'état de Jalisco. Et Jalisco, c'est où il y a Guadalajara. Guadalajara, en fait, c'est la capitale de l'état de Jalisco. Alors, et il y a aussi d'autres 20 maisons d'édition dans l'état de Mexico. Et les autres sont vraiment dispersés dans tous les pays. Et ici, on voit quelques noms des entreprises qui sont les plus importantes sur les marchés. Et en premier lieu, on voit ici les multinationales comme le groupe Planeta. Et il y a évidemment Random House. Il y a aussi Santillana, même si Random House a acheté une partie de Santillana, ça continue à exister comme une marque à part et avec une production un peu indépendante de Random House. Parce que c'était une entreprise très reconnue et très forte pour les ventes institutionnelles, c'est-à-dire les ventes au gouvernement. Alors, ça continue d'exister comme ça. Il y a le Fondo de Cultura Económica et Ediciones SM. Ils font les 4 premières, ils font surtout les catalogues, c'est vraiment très, très... très varié entre littérature, fiction, non-fiction, puis jeunesse. Et on va SM Océano, ils font surtout la littérature jeunesse. Et Edelvive, c'est une autre entreprise aussi qui appartient aussi au groupe avec une présence en Espagne comme Planeta et Random House aussi. C'est comme certaines des compagnies les plus importantes.
Et ici aussi, il y a des éditeurs indépendants comme ils sont très reconnus, qui ont su vraiment bâtir un super catalogue et qui sont reconnus aussi pour les lecteurs. Alors là, je vous parle par exemple des Sexto Piso, et une maison d'édition très réputée aussi. Ils font de la littérature pour adultes. Ils s'intéressent aussi aux livres d'art et ils s'intéressent beaucoup aussi aux livres un peu en format bande dessinée. Et surtout ça, pas tant que ça en jeunesse, mais quand même les autres. Petra, par contre, Petra Editione, c'est un éditeur jeunesse et qui fait vraiment de beaux livres, des livres très artistiques aussi, avec des auteurs très importantes. Et Petra aussi, c'est une maison d'édition qui a l'habitude d'acheter des droits aussi. Et ils sont vraiment toujours un mélange dans son catalogue pour présenter des auteurs mexicains, des auteurs de la région, mais aussi des auteurs japonais d'autres pays aussi. Et le côté aussi, c'est une maison d'édition spécialisée en jeunesse, très forte dans les ventes publiques également. Et ils font aussi et l'achat et la vente des droits à l'international. On a Algarabia aussi, El Naranjo, spécialisé en jeunesse, Norma aussi fait jeunesse. Ils font aussi beaucoup des livres destinés aux écoles qui sont pris par les gouvernements, justement. Il y a Siglo XXI. Almadía aussi, c'est une maison d'édition importante. Puis, ils font aussi... les rôles, ils font les rôles des distributeurs. Alors, il y a aussi un important nombre d'éditeurs et des maisons d'édition latino-américains qui sont distribués au Mexique à travers Almadía. Et Altexto, c'est une maison d'édition spécialisée dans les livres destinés aux universités et académiques en général. Et voilà ici quelques noms des auteurs qui ont été déjà publiés au Mexique. Et il faut dire aussi, dans ces listes, ça se peut aussi certains noms qui sont directement vendus au Mexique. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est encore très commun que quand on fait une négociation des droits pour la publication d'un livre en espagnol, si on le fait avec une maison d'édition en Espagne, européenne, ils vont demander les droits pour l'Amérique latine. Et je vous donne juste une recommandation, c'est vraiment faire attention parce que parfois, c'est pas parce que les livres ont été pris par une compagnie de l'Espagne que qu'on va vraiment les retrouver sur les marchés latino-américains. Et même au Mexique. Il y a des grands noms comme on voit ici, Alice Moreau, Cohen, Margaret Atwood, évidemment. Et c'est sûr que si Penguin Random House ou Planeta s'intéressent, ils vont faire les livres en version européenne. Puis c'est la version qu'on va trouver aussi dans les pays d'Amérique latine. Et, mais c'est toujours possible de faire comme partie de la négociation, de diviser un peu, puis savoir vraiment, comme je vous dis, avec toute cette information de comment on distribue les livres, à travers les champs de vente aussi qu'on utilise, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les marchés mexicains. Alors voilà, ici quelques exemples aussi. Et il y a Kim Tui aussi qui a été traduit, qui. Il y a des livres qu'on trouve dans les marchés mexicains. Certains livres jeunesse aussi, de Dominique et compagnie, et, de la Côte d'Échelle, et aussi Melanie Wald aussi. On trouve ces livres traduits au Mexique. Et dans les mêmes sens, les auteurs mexicains publiés au Canada. Et ici, je ne vais pas oublier une particularité, comme je vous dis, il y a, ça dépend un peu de la notoriété des auteurs, mais
justement, si c'est un auteur qui a une grande notoriété, on va voir que c'est les grands groupes multinationaux qui vont prendre les droits pour toute la langue espagnole. Ça se passe dans le même sens pour les livres traduits à l'anglais, mettons. Si on voit les noms comme Carlos Fuentes, Octavio Paz, Yuri Herrera, tout ça, c'est des auteurs qui sont pris par les grands groupes qui s'est traduit en anglais. Et c'est anglais Amérique du Nord. Alors, la plupart se font à travers les États-Unis. Alors, si on trouve ici les livres, si on trouve les auteurs, malheureusement, ce n'est pas vraiment des achats de droits directs qu'on fait ici au Canada, mais surtout des éditions qui ont été négociées pour les groupes aux États-Unis. Alors, c'est un peu dans les deux sens aussi que ça se passe, comme ça se passe pour les livres achetés pour l'Espagne, pour les marchés du livre en espagnol. Alors, ici, certains nombres d'auteurs, les noms des auteurs qui ont été traduits. Puis, voilà, il y a des classiques déjà, comme Octavio Paz et Carlos Fuentes, mais il y a aussi les plus récents comme Sandra Cisneros, Fernanda Melchor aussi, qui a un livre magnifique qui a été traduit dans plusieurs langues. Alors, on peut les trouver aussi sur le marché. Et voilà, je vous partage aussi un peu les sources d'informations que j'ai prises pour préparer cette présentation. Et voilà, je pense qu'on peut ouvrir notre session des questions et réponses. Excellent. Thank you so much, Piedad. That was really enlightening and very interesting in terms of a really broad scope. It's a very interesting market, and you've given us a really good overview of it. Thank you. I don't see any questions yet in the chat or the Q&A section, but I know from some of the comments that that some publishers posted when they were registering for the webinar itself, there were a couple of specific questions, and so specific points of interest about the Mexican market that maybe I'll share here. I'm mindful that people have to only have about an hour; they might not have the full time, so I'll try and keep it short until people can sign on or can stay on. But one of the questions that we were raised sort of specifically was about the children's market. And what kind of opportunities are there for children's publishers in terms of right sales or finished books? Yeah, for right sales, I think is still a good opportunity to sell. As I told you, it could be also a possibility that one of the publishers will are looking for a specific theme, a specific subject that is in high demand for the schools. For example, just to give you an example, I know that they have an interest for all the resources that you can use for, the sexuality for the little ones, in that middle grade, also for readings for middle grade. And I think they have that interest. I mean, it's always trying to find the kind of stories that is universal and can also fit in that market. But it is possible. And I know that some of the books from here that have been translated into Spanish in Mexico have interest from the government. I know that some of these titles have been chosen from the government to be distributed in that network, in the schools and libraries networks from the government. So it is always interesting, and I think it is important to go to the book fair, to Guadalajara, and see how it works. There is some cultural difference also between Mexico and
people from Latin America that with the other countries. So I think that the book fair is it's going to give you a really good taste of how to expect. And also, you will see for the book fair is you can just like have the time to check and asking for meetings before, but there is also possible to go and, you know, be on site and make contacts and being able to know people and take a look at the local publishers and see what are they doing, and you will find, you know, that book that could fit in that catalog and could be interesting. Of course, they are open. I think there is still like that interest in Canadian authors and Canadian content in general. Okay, great. There's two really good follow-up questions to the question about the children's literature. One is, what is the protocol or criteria for having a children's book assessed by the Mexican government for schools? So how do we make that approach or that first contact? I mean, it's similar. You know, there is some books that we also hear are like really useful for the schools and teacher will recommend and have for the school book clubs or something like that. And it all always depends on that theme, you know. First, you know, all the stories about inclusion, you know, there is something that is demand right now, and there is a lot in English that is happening that don't even in French don't have like that same offer for that titles, but you know, to equality for rights, all that kind of, or to talk about difference, to talk about inclusion. I will say that is the theme that is like really being of the interest of publishers in Mexico. Okay, that's great. Here's another good question. Is there anything a Canadian publisher can do to assist a Spanish publisher in making a book meet the Mexican government's criteria? Yeah, of course, if there is a content that is interesting for the government, there is a way of collaboration. And actually, it is possible to, it depends, it always depends on how you negotiate the rights at the moment that you are signing an agreement with them. But of course, you will see in those agreements that is something that is always included. They will always have that door open to the government. But as you see also, the books that could be interesting for learning English are interesting for them. And a Canadian publisher could like have access to publish that directly with the government if the book is chosen. But in that direction is, yeah, I think it's better to have like a partner publisher in Mexico, you know, to help with that, but it's also a possibility. Mm-hmm. Have content, yeah. You know, all the, you see how important it is, the participation in that segment for the institutional sales and government sales. So it's always possible to have developed something together to fit those needs, that need. Okay, that's great. Thank you. I think one, I don't see any other questions here, but one last question I think that again came from the publishers was, you touched on this in the presentation, but you know, the talking about the education market. And so I think probably, you know, the children's market in this case sounds like the government is one of the, a really key way of getting into that market. But I know from our experience, the Canada Books experience at the Guadalajara Fair, that was also a really good way of meeting publishers who were interested in educational literature, because there were a lot of educational scholarly publishers at that fair and had really, you know, important displays, not only Mexican publishers, but from Latin America. Is that a good way of approaching the education market, or is it much like the children's market where it's a direct line with the government? I mean,
As I told you, I know that they can buy the content directly for international publishers. I mean, for example, as I told you, the company Fondo de Cultura and Educar are now like a single company, and they produce both. Okay. They produce literature, but Educar is the one who handles all the books for schools. And absolutely, I know that is something that is highly demanded. And also, you know, these kind of books that you can also think about for developing businesses, trying to have books translated that keep the English, you know, like bilingual books. Okay. That is really, really also popular. Okay. And I think that now they are interesting, like because you will have like picture books or albums, picture books that is really interesting for that market, but it doesn't have the fact having that bilingual could be more interesting for government sales. Okay, oh, that's fascinating. And yeah, locally they also have like a big interest, like here and everywhere else, for the indigenous languages, and again, this is a matter of equality. And they are also having like this kind of bilingual books in Spanish and another language. So, and all this kind of theme as well, you know, all it's interesting to see how indigenous peoples like have faced like the same situation in different countries. But at the end, mm-hmm. it's the same, you know. So all these, and you know, you can relate to. It's also interesting for them as a content to buy. Okay. I think you may have seen the question that came up or had a sixth sense about it, but it was the next question was about whether, you know, indigenous perspectives are becoming more valorized in the Mexican market and so forth. And one of the things I do remember really vividly from the time that I was at Guadalajara was a whole section of books that were translated into indigenous languages, which is something that I don't think we have managed here in Canada yet, but least not at that level. But yes, I think there's a growing focus on that heritage. And as I told you, one thing is having that kind of bilingual books content in general, but also the stories about the indigenous peoples. It will be absolutely interesting for that market too. And of course, we will have also interesting for us in Canada to know how it was, how it happened in Mexico too, where, you know, they're like really, really strong ethnical groups, indigenous groups, that were like fighting until the end. And that's why they still have also like a very important indigenous population in Mexico. Yeah, very different experience. I mean, at the same time, very similar, but very different. Exactly. In experiences among indigenous people. So I'm going to see here if there are any other questions. I think that's all for now. Of course, if anybody has any other questions that, you know, it's maybe come up after you sat and thought about it a little while, please feel free to contact me and I can forward the questions on to Piedad. Here we go. Here's one. Then another one last sale. As stores open up after the pandemic, do you think online sales will continue to increase or decrease? It's a great question. It's a good question. And actually, they opened recently. You know, they keep that closed, that restriction, until like this last summer. But I think once you have like reached an audience, you can keep it and make it grow, you know. And I think they will grow in online. And as I told also, there is like more sources, you know, they have better internet access in the rural areas, and it helps a lot. And there is another interesting thing that is happening also in the region, is all these electronic books that could be used by the school libraries and the libraries in general, you know, that is very interesting. All the interactive books that you can use also, that is not a book like
mean to be a book to learn English, but you have stories to read and to listen. That's the thing that is interesting as well. And I know that they've been growing as well because there is also an interest from public libraries and public schools to have them in the at the libraries available for the public. Okay, that's great. Here we go. All right. So I do think that's all for now. So I'll say thank you to everyone. But again, I repeat, if anybody has more questions, I'll be happy to forward them to Piedad on your behalf. If you have a minute, you can maybe give us your feedback on how you found the webinar. We have a link to the survey, I think a few slides away from here. Piedad, I don't know how easy it would be. You have yes. Here the survey. But for those of you who have received the PDF of the slide, you can access it there too. We'd be really interested to get your feedback. And as always, we are very thankful for your participation. Thank you so much, Piedad. That was great. Thank you, Gabrielle. And we also, of course, we need to thank, and we enjoy thanking the Canada Book Fund for funding these great activities. And of course, we thank you all for joining us. Okay, have a great afternoon, everyone. Thank you. See you next time. See you. Bye.